الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا À la découverte de la création de l'univers à travers d'une part le Saint-Coran et d'autre part le point de vue des astrophysiciens d'aujourd'hui. Sourate 50, Kaf, verset 6. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons créé et embelli, et comme il est sans fissure? Sourate 15, Al-Hijr, verset 16. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations, et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Sourate 51, Ad-Dariya, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. L'univers est effectivement en expansion. Quelle est la structure de base de la création de l'univers? Observons une goutte d'eau. Nous allons maintenant diviser cette goutte d'eau en 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la plus petite partie d'eau qui puisse exister à l'état liquide stable. Un peu de physique et chimie du programme de 3e de collège. La plus petite partie de cette eau à l'état liquide, stable ou libre, qui puisse exister, se nomme une molécule d'eau. Si je fractionne encore cette molécule, il n'y a plus d'eau, mais des gaz. Un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène associés. Un atome est constitué d'un noyau, proton et neutron. Autour du noyau circulent des électrons périphériques sur différentes couches, leur nombre est variable. La charge du noyau est positive et la charge des électrons est négative. Sourate 51, Ad-Dariya, verset 49. Et de toute matière ou substance, nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Laoshein, traduit par matière, soutient en conséquence que la matière sous toutes ses formes est constituée à partir de deux éléments de couple. Les charges négatives et positives sont présentes partout dans l'univers. Dans une molécule d'eau, les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène complètent leur couche d'électrons en mettant ceux-ci en commun. Chaque atome d'hydrogène, avec seulement un électron en orbite autour de son noyau, a besoin d'un électron supplémentaire pour atteindre un état stable. L'atome d'oxygène, avec 6 électrons sur sa couche externe, en a besoin de 2 autres pour compléter celle-ci. Lorsque les trois atomes instables mettent leurs électrons en commun, ils forment alors une molécule d'eau stable. Les charges négatives et positives sont équilibrées. La puissance du Créateur. Sourate 34, Saba, verset 3. Mon Seigneur connaît le mystère impénétrable.
c'est le mur de Planck. Le poids d'un atome ne saurait lui échapper, ni dans les cieux, ni dans la terre, ni rien de ce qui est plus petit que l'atome, ni plus grand que celui-ci, qui ne soit inscrit dans le Coran, dans le livre explicite. Nous remarquons clairement dans ce verset que le Coran reconnaît l'atome en tant que tel, mais il se réfère également à d'autres états de la matière. L'un serait plus infime que l'atome. Nous savons depuis le XXe siècle que cet état existe. Ce sont les particules élémentaires ou non. Électrons, nucléons, protons, neutrons, quarks, hadrons. Le niveau supérieur est la molécule. En conclusion, nous constatons que les trois formes annoncées dans le verset ci-dessus, particules, atomes, molécules, se trouvent précisément dans la nature et constituent la structure générale de la matière à travers tout l'univers. La puissance du Créateur. Sourate 21, les prophètes, verset 30. N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, appelée aussi atome primitif? Ensuite, nous les avons séparés, par le Big Bang, et créés à partir de l'eau toute chose vivante. Les cieux et la terre s'appliquent à l'univers. Le mot Ratkam signifie une masse compacte comme soudée. Le terme Fafatakonahuma s'applique à l'action de rompre, avec une notion de puissance et de force. Le mur de Planck. Avec une simple formule chimique du programme de 3e de collège, il a créé l'eau sur Terre, c'est-à-dire la vie, dont 3/4 d'eau pour 1/4 de terre. Ce n'est qu'en 1931 qu'un astrophysicien belge, le chanoine Georges Lemaire, énonce la théorie de la masse compacte, ou atome primitif. Elle sera reprise et développée par deux Américains, Alfer et surtout Gamow. Elle est admise par tous aujourd'hui. Coran, sourate 11, Houd, verset 7. C'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Dans la Bible, la Genèse, paragraphe 1, verset 31, « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Puis, paragraphe 2, verset 1, « Ainsi fut achevé les cieux et la terre quand ils furent créés. » Puis, paragraphe 1, verset 2, « Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » La puissance du Créateur. Extrait du livre, pages 48 et 49, de Dieu et la science, de Jean Guiton de l'Académie française, édition Grasset, Paris. Les physiciens peuvent remonter ou décrire le Big Bang après l'explosion originelle jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, mais pas au-delà. Ils se heurtent alors au fameux mur de Planck, ainsi nommé parce que le célèbre physicien allemand a été le premier à signaler que la science était incapable d'expliquer le comportement des atomes dans des conditions où la force de gravité devient extrême, car elle dresse alors une barrière infranchissable. Au-delà du mur de Planck, c'est le mystère total. Un jour, j'ai rencontré un physicien qui affirmait que ses travaux lui avaient permis de remonter jusqu'au temps de Planck et de jeter un coup d'œil furtif de l'autre côté du mur. Il murmurait qu'il avait aperçu une réalité vertigineuse. La structure même de l'espace s'était enfoncée dans un cône gravitationnel tellement intense que le temps retombait de l'avenir vers le passé, au fond du cône, en une myriade d'instants égaux à l'éternité. Et on avait l'étrange sensation que le vieux savant en parlait
comme d'une sorte d'hallucination métaphysique qui l'avait frappé à jamais. Le point de vue des savants physiciens, extrait du livre « Dieu et la science » de Jean Guiton, édition Grasset, page 86. Si le taux d'expansion de l'univers à son début avait subi un écart de l'ordre de 10 puissance moins 40, la matière initiale se serait éparpillée dans le vide. L'univers tout entier n'aurait pu donner naissance aux galaxies, aux étoiles, à la vie. Pour donner une idée de la finesse inconcevable avec laquelle l'univers paraît avoir été réglé, il suffit d'imaginer la prouesse que devrait accomplir un joueur de golf qui, depuis la Terre, parviendrait à loger sa balle dans un trou situé quelque part sur la planète Mars. Ce que dit le Saint-Coran, sourate 57, verset 5. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Sourate 40, verset 57. La création des cieux de la terre est quelque chose de bien plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 15, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, c'est-à-dire l'univers, que pour une juste raison. Sourate 10, Yunus, verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, et de la lune une lumière, et il a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes, certes, pour les gens doués de savoir. Sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour et la nuit qui se poursuivent sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 21, verset 33. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant sur une orbite. Attention, ci-dessous c'est une image. Les planètes ne sont pas en réalité alignées sur un même axe, mais comme sur la figure animée de droite, en haut. Observons maintenant notre système solaire. Sourate 13, V2. C'est lui, Allah, qui a élevé bien haut les cieux, les sept, sans pilier visible. Et il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes, afin que vous ayez la certitude de la rencontre avec votre Seigneur. Puis, sourate 36, V40, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun de ces astres se mouvant sur une orbite qui lui est propre. Examinons nos planètes du système solaire. D'abord, notre soleil. Sa température de surface est de l'ordre de 5500 degrés. Au centre, par contre, 25 600 000 degrés. Le Soleil est une étoile relativement stable. Il brûle 4 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. À ce rythme, il restera inchangé pendant 1 ou 2 milliards d'années avant d'évoluer très lentement vers une géante rouge. Mercure. Elle est à 57 900 000 km du Soleil. C'est une planète sans atmosphère, comme la Lune. Située près du Soleil, elle est soumise à un véritable bombardement de particules. Entre le jour, dont la durée est de 2 mois à plus 430 degrés, et la nuit, dont la durée est de 2 mois à moins 170 degrés. La température varie de 600 degrés. La pression est de l'ordre de 0 bar. Vénus. Elle est située à 108 200 000 km du Soleil. Sœur jumelle de la Terre, par sa masse et sa composition chimique, elle est constamment voilée par d'épais nuages.
Sa température de surface ne descend jamais au-dessous plus 460 degrés. La nuit comme le jour, la pression de l'air est de l'ordre de 90 bars. La Terre, elle est à 149 millions de kilomètres du Soleil. Son nom est mal choisi car l'eau occupe les trois quarts de sa surface. La présence de l'eau sur une planète est peut-être un événement rarissime dans l'univers. Elle a été créée pour la vie. La température moyenne est de l'ordre de 15 degrés, la pression de 1 bar. Sans le CO2, la Terre serait complètement gelée. Mars, elle est à 227 900 000 km du Soleil. Mars la Rouge est plus petite que la Terre. Jadis, des rivières ont coulé sur son sol, aujourd'hui transformées en désert. La température peut varier de moins 130 degrés à 0 degrés entre le jour et la nuit. L'eau, en revanche, ne peut avoir que deux états, soit solide ou gazeux. La pression atmosphérique est de l'ordre de 0,01 bar. La planète Jupiter. Elle est à 778 340 km du Soleil. C'est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 100 fois plus massive que la Terre. Mais c'est un monde essentiellement gazeux, composé d'hydrogène, d'hélium et d'éléments mineurs, où soufflent des terribles tempêtes de l'ordre de 500 km/h. La température est de moins 120 degrés, la pression de 1 bar. Saturne, elle est à 1 427 000 km du Soleil. Cette planète est un haut lieu du système solaire. Ses anneaux offrent un spectacle d'une rare beauté. Mais leur instable équilibre reste une énigme pour nos savants. C'est un monde gazeux, composé d'hydrogène et d'hélium. La température est de moins 180 degrés, la pression de l'ordre de 2 à 10 bars. Uranus, elle est à 2 869 000 km du Soleil. Elle est moins grosse que Neptune, mais 15 fois plus massive que la Terre. Son plan équatorial est perpendiculaire à son orbite, ce qui implique que tous les 42 ans, un des pôles est orienté vers le Soleil et l'autre dans la nuit. La température est de l'ordre de moins 210 degrés et la pression de l'ordre de 2 à 10 bars. Neptune, elle est à 4 420 000 km du Soleil, aux confins de notre système solaire, plongé dans un crépuscule éternel, car l'éclairement y est 1000 fois moins fort que sur la Terre. Elle est recouverte d'une épaisse couche d'hydrogène, d'hélium et de méthane, ce qui lui donne sa couleur bleue. La température est de l'ordre de moins 220 degrés et la pression de 2 à 10 bars. Pluton, elle est à 5 966 000 km du Soleil. Sur un sol de glace carbonique dure, comme de l'acier, et quelques roches noires, baignées par une faible lueur crépusculaire, car l'éclairement est 1500 fois plus faible que sur la Terre. Le thermomètre indique moins 230 degrés centigrades et la pression est de l'ordre de 0. La ceinture d'astéroïdes, dite ceinture de Kuiper, se situe entre la planète Mars et celle de Jupiter. Elle est mentionnée dans le Saint-Coran, Sourate 67, verset 5. Nous avons orné le ciel le plus proche d'étoiles et de massabis, c'est-à-dire des projectiles, astéroïdes sous forme de météorites pour lapider les diables. Les images transmises par notre satellite Hubble nous montrent la beauté de l'univers. Toujours le point de vue des physiciens, extrait du livre Dieu et la science de Jean Guiton, Académie française aux éditions Grasset. Page 169. L'image
holographique possède une caractéristique très particulière. Admettons par exemple que je prenne une photo de la Tour Eiffel. Si je déchire le négatif de ma photo en deux et que je le fais développer sur une deux moitiés, j'obtiendrai bien sûr qu'une moitié de chaque image originelle de la Tour Eiffel. Or, tout change avec l'image holographique. Si on déchire un morceau d'un négatif holographique pour le mettre sous un projecteur laser, on n'obtiendra pas une partie de l'image, mais la totalité de l'image. Même si je déchire le négatif une dizaine de fois pour n'en conserver qu'une partie minuscule, celle-ci contiendra toujours la totalité de l'image. Pour David Bohm, l'hologramme représente une analogie frappante avec l'ordre global de l'univers. Un univers holographique, infini, où chaque région, bien que distincte, contient le tout. Nous allons donc renvoyer, une fois de plus, à l'image de la totalité divine, aussi bien dans l'espace que dans le temps. L'image de l'hologramme a fait sa première apparition dans Star Wars, où on voit la princesse Leïla, présentée par le robot, et qui lui montre, demande de venir à son secours. Ensuite, l'Amérique a développé ceci au point tel que le premier hologramme, c'est celui de Tupac, un artiste, a été présenté à la publicité et même au Festival de Cannes. Nous avons même en Amérique Elvis Presley qui va renaître sous forme d'hologramme pour une série de concerts. Le point de vue des physiciens. Suite. Page 87. La probabilité mathématique pour que l'univers ait été engendré par le hasard est nul. Puis, pages 70 et 171, il faut d'abord nous rappeler que la matière, c'est aussi des ondes, comme l'a montré Louis Broglie. La matière des objets est donc elle-même composée de configurations ondulatoires qui interfèrent avec les configurations d'énergie. L'image qui en découle est celle d'une configuration encodante, c'est-à-dire similaire à l'hologramme de matière et d'énergie. Et elle se propage sans cesse à travers tout l'univers. Et chaque région de l'espace, aussi petite soit-elle, jusqu'à descendre jusqu'au simple photon, est aussi une onde, un paquet d'ondes, contient comme toute la région de la plaque homographique de l'ensemble. En fait, tout ce qui se passe sur notre minuscule planète est dicté par toutes les hiérarchies de l'univers. Page 167. Deux grains de lumière, même séparés par des milliards de kilomètres, font partie d'une même totalité. Il existe entre eux une sorte d'interaction mystérieuse qui les maintient en contact permanent. Si je me brûle ma main gauche, la droite sera immédiatement informée et aura le même réflexe que l'autre parce que mes deux mains font partie de la totalité de mon organisme. Sourate 13, verset 2. Il, Dieu, règle l'ordre de tout et expose en détail ses signes. Lorsqu'on regarde les planètes et la force d'attraction du Soleil, on peut être amené à penser que plus on s'éloigne de lui, plus cette force diminue, donc que les planètes les plus éloignées tournent moins vite les unes que les autres. Or, il n'en est rien. Grâce à l'interaction de la matière noire qui les enveloppe, elle leur assure une vitesse qui reste constante en maintenant la force gravitationnelle. La matière noire et l'énergie sombre représentent 96% de l'univers. La matière noire est invisible et nous traverse en permanence. Elle assure le lien entre les étoiles et les galaxies et ses particules qui nous traversent, influence la formation et la rotation des galaxies. L'énergie sombre, répulsive, occupe la plus grande place dans l'expansion de l'univers. Cependant, elle maintient le tout en équilibre, d'où son nom de constante cosmologique. Elles sont toutes les deux l'objet, aujourd'hui, dans le monde, de très nombreuses recherches par les physiciens. Il est évident que toutes les formes d'énergie ont une source
Et pour l'énergie sombre et la matière noire, seul le Créateur est capable de créer cette source dans l'invisible. Dans les films de science-fiction, on observe des vaisseaux qui rentrent par une porte spatiale et qui ressortent par une autre porte de l'hyperespace. Exemple, en bas à droite, dans Babylone 5, on voit une sortie de vaisseau de l'hyperespace par cette porte. Eh bien, cette porte, elle a un nom, on l'appelle un trou de ver. Ce trou de ver permettrait de relier des régions d'un espace très éloigné. Mais on ne sait pas encore comment stabiliser le tunnel qui reste pour le moment très instable. Il est tout simplement l'application de la théorie de la relativité de Albert Einstein et Rosen. L'univers est en expansion. Nous savons aujourd'hui, grâce à l'énergie sombre répulsive, qu'elle y participe. C'est seulement en 1923-1924 que Edwin Hubble parvient, grâce au télescope du mont Wilson en Californie, à distinguer les étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. Dès lors, la nébuleuse qui était vue comme une lueur devint une galaxie. Elle porte le numéro M31. Elle se trouve à 2 200 000 années-lumière. Sa masse, environ 400 milliards de fois celle du Soleil, soit deux fois plus que notre Voie lactée. Pour détecter l'expansion, Hubble a recours à l'effet Doppler. Il évalua la vitesse d'éloignement, appelée aussi constante de Hubble, à 170 km par seconde. Aujourd'hui, cette constante a été ramenée à 15 km par seconde, sur millions d'années-lumière, bien sûr, selon les calculs de Sandage et Taman, dans leur théorie du décalage vers le redshift. L'univers est en expansion, c'est vrai. Sourate Daria, il est mentionné dans le Saint-Coran, Sourate 51, verset 47, « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Cependant, les résultats aujourd'hui sont là. Et la théorie de l'expansion de l'univers ne souffre au plus aucun doute. C'est pourtant ce phénomène qui est décrit dans le verset ci-dessous, dans le Coran, alors que les hommes n'avaient aucune idée de son existence. Pouvait-on parler d'expansion de l'univers au début du Moyen-Âge? Il convient de souligner que des savants de renommée mondiale, spécialistes de l'astronomie, comme les physiciens Max Planck et Niels Bohr, prix Nobel de physique, n'ont pu imaginer ni prévoir l'expansion de l'univers. De même, Einstein avait pris un des plus fertiles cerveaux de l'époque contemporaine, avait pris en 1917 comme modèle un univers statique, ne prévoyant aucune expansion. Cette expansion s'accélère de nos jours, d'après les chercheurs britanniques de la NASA sur l'énergie sombre, Stephen Allen et Paul Hertz de la NASA. La fin du monde est vue par des artistes, mais que dit le Saint-Coran et qu'en pensent les scientifiques astrophysiciens?
Observons cette vidéo prise par la NASA de notre système solaire et surtout des éruptions qui s'en éloignent. Ces éruptions solaires, vous voyez, sont renvoyées, sont retournées vers lui en boucle par un puissant champ magnétique. Cependant, beaucoup de rayons cosmiques réussissent à passer et foncent vers la Terre. Mais le Créateur a mis en place autour de notre planète un bouclier protecteur. Notre Créateur nous a installé une magnétosphère terrestre pour nous protéger contre les rayonnements cosmiques qui nous bombardent. La question est, jusqu'à quand ce bouclier nous protégera-t-il ? Notre Soleil brûle 4 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Puis, il évoluera lentement vers une géante rouge. La géante rouge, ou la fin de notre système solaire. Après conversion de l'hydrogène en hélium dans le centre du Soleil, les couches extérieures vont se dilater en se refroidissant. La température de surface descendra jusqu'à 3000 ou 3500 degrés. La lumière passera du blanc à l'orange, puis au rouge. La luminosité augmentera malgré le refroidissement du fait de sa croissance considérable, car le Soleil deviendra une géante rouge dont le diamètre sera multiplié par 100 ou plus. Tout l'espace sera inondé par la lumière rouge, qui donnera aux choses un aspect irréel. Une grande partie du ciel sera occupée par ce nouvel astre flamboyant énorme qui voilera la voûte céleste. Sourate 55, verset 37. Quand le ciel se fendra, il deviendra écarlate comme le cuir rouge. Puis sourate 75, verset 7. Quand la vue sera éblouie, eh bien, l'imam Ghazali décrit le jour du jugement que le soleil est très proche. Sa chaleur est 70 fois plus intense que d'habitude. Les modifications profondes dans la structure du Soleil auront d'effroyables conséquences sur notre planète. Il se produira de très violents tremblements de terre, affirment les spécialistes. Le Coran nous dit, sourate 22, verset 1, « Le séisme qui précédera l'heure de la fin du monde sera une chose terrible. » Puis sourate 81, verset 6. Les mers bouillonneront, c'est-à-dire qu'elles vont s'évaporer. Sourate 56, verset 4 et 5. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes voleront en éclats, et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Simultanément, la rupture de l'écorce terrestre provoquera un volcanisme intense. Le déversement brutal des entrailles de la Terre sous forme de lave incandescente, de projection du magma et de fumée, rendra le ciel lourd, bas, surchargé de fumée, tantôt rouge, tantôt sombre, que la vue ne pourra percer. Le ciel, les étoiles et la lune seront dissipés pour toujours. Sourate 77, verset 8, quand les étoiles seront effacées. Quand les couches externes du Soleil évolueront vers le stade de la géante rouge, le noyau résiduel petit et extrêmement chaud s'effondrera sur lui-même, devenant ainsi ce qu'on appelle une naine blanche, très compacte, et d'un diamètre 100 fois plus faible que le Soleil. En revanche, sa densité est alors de 10 tonnes au centimètre cube, soit près de 10 millions de fois celle du Soleil dont elle est issue. Ce processus est décrit dans le Coran, sourate 80, verset 4. Quand le soleil sera ployé ou enroulé, le mot arabe employé « kouiret » signifie « ployé, enroulé sur lui-même ». C'est bien de cette façon que la naine blanche sera soumise à ses contraintes par une force supérieure. Tout le système solaire est ébranlé. Les planètes les plus proches seront absorbées par la géante rouge dont le volume ne cesse de croître. Puis ensuite la Lune. Sourate 75, versets 8 et 9, lorsque la Lune s'éclipsera et que le Soleil et la Lune seront réunis. L'astrophysicien Hubert Reeves pense que toutes les planètes de notre système solaire
seront désagrégés et vaporisés par le vent brûlant transportant le gaz de la géante rouge. Sourate 82, versets 1 et 2, quand le ciel se rompra et que les planètes se disperseront. Sourate 89, verset 21, quand la terre sera complètement pulvérisée. Le Coran est ainsi arrivé à retracer, à travers une description précise, les derniers jours de la Terre. À titre de comparaison, voici le scénario d'après l'astrophysicien américain Hubert Reeves. La géante rouge aux dimensions croissantes nous enverra bien plus de chaleur que notre disque jaune familier. Sous la chaleur accrue, les glaces polaires vont fondre et élever le niveau des océans en exhalant dans l'atmosphère d'épaisses couches de nuages qui pour un temps cacheront les étoiles. Sous l'ardeur de plus en plus forte de l'immense disque rouge, la végétation desséchée flambera simultanément et d'interminables feux de broussailles achèveront de consumer tout ce que la surface de la Terre contient d'éléments organiques. Des paysages lunaires feront leur apparition, sur les continents, comme au fond des océans entièrement évaporés. Le règne minéral reprendra la place qu'il avait eue au premier temps de notre planète, et qu'il n'a jamais perdu sur la Lune. La pierre elle-même entrera en fusion. En cascade rougeoyante, des nappes de lave incandescentes descendront des montagnes et s'amasseront au fond des antiques fosses océaniques. La géante rouge continuera son inexorable progression, projetant devant elle, venu de ses entrailles, un formidable vent de gaz brûlant. Sous l'impact, les planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune, Mars, peut-être se vaporiseront lentement. Leur matière se joindra à cet ouragan et en flots tumultueux foncera vers l'espace. Plus tard encore, l'évaporation de la matière prendra une allure plus saccadée et plus violente. À leur tour, les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, se volatiliseront sous l'impact des bouffées torrides. La fin de l'univers. La synthèse des hypothèses formulées par les savants du monde est la suivante. Premièrement, l'univers verra son volume s'accroître indéfiniment, entraînant l'évanescence de la matière et une mort par le froid. Point 2. L'univers subira une contraction qui le ramènera sous la forme de l'atome primitif ou masse compacte. Point 3. L'univers connaîtra des phases cycliques d'expansion et de contraction pour reconstituer l'atome initial qui donnera naissance à un autre univers dans une suite sans fin. Point 4. L'univers étant créé ne connaîtra pas de fin. Il a toujours existé, il existera toujours, il est éternel. Face à ces supputations, quelle est la position du Coran? Le livre sacré traite le problème sous tous les angles. Et il rejette d'emblée le point 4, les assertions de Hoy et de son équipe. Sourate 112, le monothéisme pur, verset 3. Il n'a pas engendré, ni n'a pas été engendré non plus, car seul Dieu est un créé éternel. Puis sourate 28, verset 88. Tout doit périr excepté Dieu. Enfin, sourate 46, verset 3. Nous avons créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre les deux, qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Il y a donc une fin. Puis, Dieu repliera l'univers en sens inverse. Sourate 21, Al-Anbiya, verset 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie un rouleau de livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Comme un film qui se déroule à l'envers, il repliera l'espace-temps. Car un jour pour Dieu est l'équivalent de 1000 ans sur Terre. Par un Big Bang inverse, jusqu'à la masse compacte, comme indique la fin du verset. Ce que correspond à l'hypothèse numéro 2 des savants.